Vous sortez du fort par là où vous êtes entré et vous remarquez quelque chose en face de vous, c'est qu'il y a une autre personne. Une petite vieille qui est devant le portail et quand elle vous voit, elle sourit et elle s'en va vers la droite du fort. Et elle sort de votre champ de vision. On a cramé le fort d'ailleurs. On est d'accord que nous avons... Vous avez mis le feu, bon ça je vous le compte là-dessus, donc vous mettez effectivement le feu. Ça va prendre du temps parce que c'est quand même un fort de briques, mais en tout cas le reste prend feu, les livres, etc. Donc, et surtout les cadavres. Oui, bon, les cadavres ils brûlaient déjà, mais oui. Quand je vois la vieille, je l'appelle de toute façon instantanément. Il n'y a pas de réponse, c'est juste vraiment une petite vieille un peu rabougrie avec une espèce de comme une cape, on va dire, voilà, mais sans la capuche, et qui vous a juste regardé, qui vous a souri, et qui après qui est partie donc à droite. Je cours vers là où elle est partie, j'essaie de la rattraper. Oula, t'es sûr de ce que je fais? Oh, je reviens les gars. Je cours. Tu cours, tu regardes par où elle est partie, mais tu la vois pas. C'est pas des trucs chelous donc quoi. On le rejoint mais en marchant normalement. De toute façon, je reviens vers vous. On sort du fort tout simplement. James, vous savez vers où c'est à peu près votre habitation là? Oui. C'est sur votre carte, vous avez pas Mac Kirby? Non, vous avez pas. Je sais pas, tu peux regarder s'il n'y a pas McCorby sur ta carte. C'est comme une petite maison avec une espèce de moulin en haut dessus. Non, vous avez pas. Je regarde sur la carte. Tu regardes et il y a un petit hameau effectivement en plein milieu du bayou, donc vraiment au milieu de l'eau et de la mangrove en fait. Et il y a une petite maison et il y a un petit, petit dessin de moulin à eau en fait. Donc tu déduis que c'est ça. Où est-ce que c'est par rapport à... à l'usine en question. Par rapport à l'usine, en fait, vous avez en plein milieu du bayou et par rapport à l'usine, elle est quasiment tout au nord du territoire. Elle est à côté d'une colline, enfin d'une falaise, tout simplement. Donc une falaise qui fait une cuvette en fait et l'usine est au milieu de la cuvette. Très bien, d'accord. Vous commencez à marcher vers la localisation donc de la maison et vous passez sur des vieux pontons en bois qui grincent, etc. Et vous entendez du bruit dans l'eau. Vous savez que dans cette région, il y a pas mal d'alligators et de poissons même assez dangereux. Donc vous savez qu'il ne faut pas forcément tomber dans l'eau ici. Quoi. Et du coup, je suis dans les devants et en fait, au moment où ça grince, à un moment, je me retourne et je fais genre « Ah !» comme ça. Hein, pour... Je réagis pas et je soupire. Je me chie dessus. Et je réagis trop mal en plus. Je boude. Je fais tomber ma clope au sol et du coup, je fais la gueule après. Ta clope, elle tombe entre les planches du ponton, elle tombe dans l'eau et t'entends le tss. Elle tombait pas, hein. Oh, James, t'es trop chiant. Franchement, moi, je connais l'humour. C'était pas drôle. Vous voyez que l'autre James, il fait... et juste, il rigole parce qu'il sait qu'en fait, toi, tu as eu un problème. Donc, voilà, donc il fait... Renvoi de balle, hein. Exactement, James, ouais. Vis-à-vis des deux personnes qui sont en train apparemment de beaucoup s'entendre, moi je vais passer devant puisque James a dû s'arrêter pour faire peur et je vais prendre la tête de la marche. Vous marchez sur ce ponton, d'accord, et vous remarquez que c'est une toute petite maison, mais vraiment toute petite, qui doit faire maximum 20 mètres carrés, avec une roue à eau qui fait en fait tourner une meule en fait pour faire donc c'est des artisans concrètement. Et au bruit, vous avez James qui fait « Ah, c'est chez moi, il doit y avoir mon frère et sa femme et son fils, je pense. » Ok, j'espère qu'ils sont pas contaminés. Attends, ça fait combien de temps que vous êtes parti de chez vous? Ça fait 2 semaines. Attends, 2 semaines? Ça fait pas, deux semaines. Ça fait pas 3 semaines que le fort était abandonné? Bizarre. Mmh. Bah si, le fort, ça faisait 3 semaines qu'il était abandonné. Oui, c'est vrai. T'es sûr? Ça fait 3 semaines que les militaires s'étaient barrés. Alors, c'est la plupart des militaires sont partis il y a 3 semaines. Après, il y en a certains qui sont restés parce qu'ils étaient fous. Parce que j'avais compris aussi. Ah, d'accord. Voilà. Bah écoutez, moi, d'abord, je regarde mes collègues et surtout James, enfin James l'aveugle, et je leur dis, bon, on est rentrés tous les quatre dans une infrastructure militaire qui doit, à mon avis, être sur une grande colline très visible et on y a foutu le feu. Il est fort probable qu'il y ait des gens qui nous ont vus. Donc les gars, je vous dis, soyez alertes parce que cette nuit, ou je sais pas si c'est la nuit ou l'après-midi... Ou... Là, vous êtes en plein milieu d'après-midi, vous avez le soleil qui tape assez fort, mais la nuit, elle tombe assez vite quand même. Donc il est fort probable qu'on s'est fait repérer. Oui, non, mais... Oh, mais c'est sûr, de toute façon... C'est pas grave, ça. De toute façon, le médecin de con, il a bien dû voir que... Hey.
nos solutions à nous, elles sont efficaces. Oui, mais on n'est pas sur une position défensive. Non, en ça, fait, je suis bien d'accord. On a même trouvé un survivant. Dans l'immédiat, il y a un vrai problème, quoi. Enfin, là, dans la maison, la famille du gars. Ouais, par contre, on est d'accord. Je fais un signe de. Genre, je me coupe la gorge avec la main. Je fais, bon, écoutez, James, attendez-nous là. On va voir si votre famille a pas eu de problème, d'accord ? Ouais, James, montez la garde. Ouais. Il se met à genoux, du coup, il attend. Et quand vous avancez, vous entendez quelqu'un qui marche, parce que la maison, elle est entourée de quais, en fait, tout simplement de pontons en bois. Vous entendez le bois qui grince derrière la maison, et vous voyez un homme avec une salopette, une chemise rouge et un chapeau de paille, en fait, avec un fusil à canon scié, et qui fait « Sortez de chez moi ! Vous êtes qui ?» Ok. Ah, vous êtes... McCurby. Ah, ok, ok. Vous connaissez James? Vous connaissez James McCurby? Oui, c'est mon frère. Bah, il est okay. Là. Ah, c'est le frérot James. Oh, frère. On l'a ramené, ouais. Il est pas mort, lui. On est avec vous, avec lui aussi. Ouais, ouais, ouais. Et vous voyez qu'il vous regarde et qu'il regarde James et qu'il a les deux chiens, parce que c'est un fusil à canon, du coup, de chasse. Et il a les deux chiens de chaque canon qui sont enclenchés et qui vous regardent et fait oui, oui, c'est le frère. C'est oui, oui, oui. C'est. Ah, ok, bah, James, va faire un bisou à ton frère. Alors faites gaffe, il est en sale état, James. Hein. Ça fait 2 semaines qu'il est enfermé. Vous avez donc James qui essaie de parler. Qui fait, Jack, calme-toi, ils m'ont sauvé. Calme-toi. Vous voyez que l'autre, il réagit pas. Il avance vers vous, mais il reste à distance. C'est-à-dire qu'il reste à peu près à 10 mètres de vous. Il se met devant la porte, il fait... Et vous rentrerez pas chez moi, hein. Mais c'est chez vous, c'est chez James. Non, c'est chez nous. Bah alors James, on a le droit d'entrer chez toi? Non. Il rentrera pas, c'est mort. Vous rentrez pas chez moi. Bah attendez, vous êtes votre frère. C'est la maison là, vous deux, ça veut dire que vous avez 50%. Donc ouais, techniquement, mais... on a le droit d'accéder à 50% de la maison. Lui, il déclare mort, et pas moi. Moi, je suis encore vivant, donc c'est ma maison. Oh, ça peut se régler vite, ça. Hein. T'as dit quoi, là? Et tu vois qu'il te pointe avec son canon et il fait « Sortez de chez moi, c'est ma propriété !» Attends, il le pointe avec le canon? Oui, mais vers le bas. Genre, il le pointe pas vraiment, il pointe vers devant vous en fait. Ouais, ouais. En mode pointe le sol, ouais. Pointe le sol. Le con et je tire le chou, quoi. Non, je le regarde et je lui dis bon, baissez votre pétoir. Et puis déjà, je regarde James et je lui dis bon, en vrai, votre frère, il est un peu bizarre là. Essayez de le. Voilà. Vous voyez que James, il a du mal à parler et il commence à marcher sur un peu à quatre pattes, sur les genoux en fait. À se rapprocher de son frère et il arrive à peu près à la portée, il met la main sur le fusil, il fait « Calme-toi, ils m'ont sauvé !» Et vous voyez qu'il y a Jack qui prend son fusil et qui lui explose le crâne avec sa crosse. Je tire. Dans la... Ouais, je vais dire, mais pas... je vais tirer dans la jambe, mais ouais. Ah ouais, je tire dessus tue. Dans le bide, je vise pas forcément la tête, je lui tire dessus. Un tirer pour tuer. Tu me fais un jet, s'il te plaît. Donc pour ceux qui nous écoutent, les jets de dés, donc c'est les joueurs qui vont jeter un dé 100 et selon le score, j'établirai donc une action. 69. D'accord. Tu prends ton revolver ou ton fusil? Non, revolver. Ok. Tu dégaines ton revolver assez vite, tu tires, sauf que tu tires dans la porte, juste à côté de lui, dans la porte en bois. Il fait « T'as osé tirer sur ma famille !» Et tu vois qu'il se met devant la porte et qui vous tire dessus, littéralement. Donc, il tire avec son fusil. Vous êtes à 10 mètres et vous voyez que la portée du fusil, elle est très courte parce que c'est un canon scié. Mais par contre, vous prenez quelques plombs et ça vous touche pas forcément beaucoup, mais ça vous fait mal. Donc, il faut vous mettre à couvert assez vite parce qu'il a une deuxième cartouche et il est prêt à tirer. Bah, je vais tirer moi-même hein, avec, avec le fusil. Et le fusil, je tire moi-même. Tu restes sur le ponton ou pas? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'accroupir et tirer. Il voulait tirer en même temps que moi, en fait, oui. Charles. On a tiré à peu près ensemble. D'accord. Donc tu me fais un geste, s'il te plaît. 47. Tu lui tires dans la jambe. Il se met à genoux, donc à cause de la balle que tu viens de lui tirer. Et vous voyez qu'il se met devant la porte. Il fait « Vous, je dois les protéger. Rentrez pas chez moi, je dois les protéger. » Il se met devant la porte, mais vraiment, il se colle à la porte, quoi. C'est vraiment. Famille, elle est infectée. Il est enfermé dedans dans une pièce. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Gros malade. Donc, je sors mon flingue. Bah, tu sais, je fais vraiment le cliché du cowboy. Je fais genre. Tu sais, je me mets à tirer à la hanche. Papa, comme ça. Tu sais, pour ceux qui veulent tirer, vous me faites un geste, s'il vous plaît. Okay. Ah, moi, je retire. On tire tous dessus. Ah, non, on va le mitrailler là. On le mitraille. 30. Vas-y, fais-en un pour moi, Simon. Vas-y. 88. Ok, je fais vraiment juste ça pour impressionner. 17. 30.
Je ne retire pas, moi, je ne retire pas. D'accord. Je suis accompli. Donc, vous avez James, qui a décidé de tirer avec, je rappelle, son revolver, donc, qui le sort très rapidement et tire à la hanche, sauf que, bah, en fait, il ne vise pas. Du coup, il y a deux balles qui passent à travers la vitre, et vous entendez un... Oh bordel de merde. T'en as eu un, James. Bien joué. Ouais. Bien joué, tu l'as eu dans la gorge. Vous avez tout au talent. Tu as Phil, donc quand tu sors ton revolver, pareil, tu tires et tu lui tires une deuxième fois dans la hanche, ce qui fait qu'il ne peut plus tenir debout. Et dans un dernier élan, avant de mourir donc, de la balle de Richard, il prend la poignée et il tire la poignée vers le bas, il ouvre la porte. Et vous voyez qu'il meurt, donc en essayant de ramper vers chez lui, et il meurt devant chez lui en ayant ouvert la porte. Est-ce qu'on veut vraiment rentrer là? Attends, faut quand même y aller juste pour voir. Ce que je vous propose, c'est qu'à travers les vitres, on regarde ce qu'il y a dedans. Ouais, la porte est ouverte quand même. Moi, je peux juste garder le fusil à pompe et je me mets juste devant la porte en attendant que vous regardiez le truc si vous voulez. Bon, on fait ça. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez qu'il y a deux toutes petites mains qui attrapent la chemise de Jack qui est par terre et qui le tire difficilement dans la maison, et vous voyez la porte qui se referme. Bon, ok, on va dans une autre maison. Attendez, on va quand même regarder ce qui se passe. On va la cramer. Non, moi ce que j'aimerais savoir, c'est si James est toujours en vue malgré le coup de crosse qu'il s'est pris dans la bouche. Non, non. C'est fini. On peut aller voir James quand même. Vous pouvez aller voir James si vous voulez, mais là il a énormément de sang qui sort de la tête. C'est pas sûr qu'il soit vivant. Je le prends dans mes bras. James, regarde-moi. Quand tu t'approches de la maison, tu prends James, tu te mets à genoux et tu sens quelque chose qui vient de se poser sur ta nuque. C'est, on dirait, une abeille. Et vous entendez... Et vous voyez 70 abeilles, des espèces d'abeilles un peu vertes, qui te foncent dessus. Et qui commencent à te piquer partout. Ok. Oh, c'est quoi cette merde? Je cours et je saute à l'eau. Vous avez un essaim littéralement qui poursuit Phil jusqu'au moment où il saute dans l'eau, et vous voyez que l'essaim se dirige vers vous. Je saute dans l'eau aussi. Je voulais faire quelque chose, c'est que je voulais prendre une torche et la jeter sur... C'est quoi le toit de la maison? C'est un toit en bois mais lisse. Ah, bah je vais essayer de jeter une torche ou quelque chose d'inflammable à travers la fille. Il y a quasiment rien, il faut que tu fasses le tour de la maison pour trouver une lampe, mais là t'as rien d'inflammable sur toi en fait. Et ben dans ce cas je saute dans l'eau. Pareil. Vous sautez tous dans l'eau? Ouais. Quand vous sautez, l'eau elle est très trouble, elle est très vaseuse. Normal. Vous mettez tout sous le ponton et vous entendez l'essaim qui grouille au-dessus de vous. L'essaim a l'air de savoir que vous êtes ici, mais a l'air de pas pouvoir passer sous le ponton parce qu'il est trop proche de l'eau. Vous avez juste de quoi respirer en mettant votre visage vers le haut. Ça va Phil, tu t'es fait agresser là. Alors j'ai mal? Tu as excessivement mal, on dirait des brûlures. En fait on dirait qu'on t'a planté des allumettes allumées. Genre partout là où tu t'es fait piquer. Putain regarde-toi, on dirait qu'on t'a cramé la peau quoi. Ah, c'est horrible. Je vais lui enlever délicatement les petites piqûres d'abeilles qui les dards. Alors il y a pas de dards, c'est juste qu'en fait on dit à chaque fois qu'il y a eu une piqûre, vous voyez les veines qui sont devenues un peu noirâtres et genre là où il a été piqué, mais il a été piqué une dizaine de fois entre le cou et le bras droit. Mais ça va Phil, tu te sens bien? Bah j'ai mal pour l'instant, ça attends, brûle. Attends, faut peut-être cramer la zone ou la désinfecter là. Bah t'as du whisky non? Ah ouais. Là, vous, comme je vous ai dit, vous avez à peine de quoi respirer, vous avez juste le visage. Ouais. Donc là, en fait, littéralement, c'est sous l'eau. Ouais. On va éviter. Il y a les abeilles aussi qui sont au-dessus de vous. Ah ouais, mais là c'est. Est-ce qu'on a quelque chose pour les brûler? Oui, on a une lampe à huile, mais bon. Ouais, j'ai ma lampe à huile, mais bon, j'ai pas la balance. Là, ta lampe à huile, elle est sous l'eau. Donc, en plus, faut la rallumer en plus. D'abord, je vais mettre quelque chose sur les plaies de fil pour éviter que l'eau vaseuse n'infecte ou ne rentre. Tu essaies de combler un peu ça avec ce que t'as, globalement, parce que vous avez pas grand-chose. Tu prends ton bandana, tu essaies de faire un espèce de pansement, entre parenthèses. Et vous entendez l'essaim qui s'éloigne et qui vous entendez des morceaux de verre. Donc ça veut dire qu'ils sont repassés par la fenêtre cassée. Et vous entendez le... Et la porte qui s'ouvre. Là-dedans. Et la porte qui s'ouvre de la maison. On bouge pas. Moi, je vais peut-être me décaler très légèrement, histoire d'avoir
un tout petit point de vue, mais vraiment une toute petite fenêtre vers la, si je peux faire ça, vers la porte de la maison, et je vais caler mon fusil presque en position sniper pour voir un peu ce qui se passe. Moi, je sors mon fusil à pompe et je le mets juste le canon au-dessus, collé au bois. Comme ça, si ça passe par-dessus, j'ai juste à tirer. Moi, j'attends de voir ce qui se passe. Moi, je pense que je vais pas rester dans l'eau très longtemps parce qu'avec tous les alligators et toutes les saloperies qu'il y a, je vais vite sortir. Je vais faire ce que je vais aller à l'autre bout du ponton, je sais, parce qu'on est, on est dessous. Je vais dans l'eau aller jusqu'à l'autre bout du ponton et une fois que je suis à l'autre bout, je sors pour sortir de l'autre côté du ponton. D'accord. Et si jamais il y a le truc qui fait du bruit et que je le vois, bon bah. On va essayer de faire en sorte qu'il fasse plus de bruit, quoi, on va dire. Donc, Charles, tu te mets sur le côté avec ton fusil. Tu essaies de vider l'eau qu'il y a dans le canon, évidemment. Tu regardes par la porte et tu vois. Tu as une vision d'horreur. Tu vois une femme, d'accord, qui marche à reculons, mais qui a pourtant le visage face à toi. C'est-à-dire qu'elle est pliée en deux. Et à la place de sa cage thoracique, il y a une espèce de ruche d'abeilles avec des les insectes qui viennent de vous attaquer, qui en sortent et qui reviennent dedans. Et elle avance, elle n'a pas l'air de te voir, mais en tout cas son visage est face à toi, comme si tu étais face à la personne alors qu'elle est cassée en deux et dans un sens incompréhensible. Bon, mais son cerveau doit toujours être dans sa tête, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur la personne, de préférence dans la tête, sinon dans la cage thoracique, histoire de, voilà, de faire... T'as le visuel pour la tête. 22. Tu tires une balle. Tu lui mets en pleine tête, elle tombe, et vous voyez, et tu vois que les insectes qui sortaient, ils meurent. Ils tombent au sol, il y a plein d'insectes qui tombent. Et tu entends quand même un autre bruit qui vient de la cabane. Je me tiens toujours en joue alors. Phil, t'as toujours ta brûlure qui te fait excessivement mal. Ouais. Et tu tiens quand même ton fusil à pompe en l'air, au cas où il y a quelque chose qui passe par-dessus. Ouais. Bon là, je dis juste, c'est bon, quand il a tiré. Non. On peut juste quand même... sortir la tête. Faites attention. Moi, du coup, je suis en train de ressortir de l'autre côté. Moi, je suis juste sortir la partie que je me suis piqué de l'eau, quoi, pour éviter de trop. Moi, je vais sortir de l'autre côté aussi. Vous entendez donc James et Richard qui partent vers la rive pour sortir. Sauf que vous deux, entre vous deux, vous entendez l'eau qui remue, une espèce de remous, alors que vous êtes quasiment côte à côte. Il y a quelque chose qui vient de passer entre vous deux. Oh merde, les gars, crocodile! Je me précipite vers le bord. Ouais, moi aussi, je saute sur le bord. Sortir. Vous vous sautez tous sur la surface hors de l'eau la plus proche. Mmh. Donc, pour Phil, ce sera le ponton. Donc, tu remontes sur le ponton. Pareil pour Charles. Et Phil et James, vous étiez assez proches donc, du bord. Du bord. Richard et James, pardon, du bord. Mmh. Et vous arrivez donc sur la rive sans encombre. Vous avez juste quelques sangsues sur les jambes, mais sans plus. Moi, si je vois pas de danger pour l'instant, je les enlève, si je peux. Oui, vous enlevez les sangsues, mais le remous, il est toujours présent là où vous étiez. Il y a quelque chose là où vous étiez qui reste sur place, sous l'eau. C'est censé faire ça, un croco ? Je suis pas sûr. Que si je jette un caillou dedans. Possible ? Tu prends un petit morceau de bois pourri, tu le jettes. Et au moment où tu le jettes, tu vois que ça commence à faire des bulles. Mais d'accord. Ça ne bouge pas. Bon bah ignorons ce que c'est, mais dans tous les cas, on s'approche pas de ça. Ouais, voilà. Charles, tu es sorti donc sur le ponton. Tu continues d'avoir la porte en joue. Ouais. Et tu vois un enfant. Un enfant qui n'a pas de trait particulier, qui a juste les mains pleines de sang et qui pleure. Bouge plus. Je lui dis bouge plus. Il bouge pas. Juste il pleure et il a les mains en sang. Il nous avait dit quoi le médecin pour les enfants ? Normalement ils sont censés mourir. Il est pas censé avoir de. Normalement, le virus est mortel pour les enfants quoi qu'il arrive. Moi je pense que je suis pas concentré là-dessus. J'essaie de m'enlever les sangsues et me toucher mon truc moi. Je lui dis de tourner sur lui-même. Il obéit. Il tourne sur lui-même. Tu vois aucune trace, aucune cloque, aucune déformation. Je baisse ma garde et je lui dis de s'approcher, mais doucement. Tu vois qu'il marche très peu vite, du coup.
Vous voyez tous cet enfant, sauf évidemment donc, Phil qui s'occupe plus de sa blessure et des sangsues à enlever. Mm-hmm. Et tu remarques que le venin, par contre, en tout cas ce qu'on t'a injecté, ça ne reste pas très longtemps. D'accord ? Ça te fait très mal, mais ça s'estompe. Ça commence à partir. Mais ça te fait excessivement mal, même quand ça part. Ok. Bon, je vais du coup pour le gosse. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ici ? Il continue à pleurer et à avancer vers toi, tout doucement, avec les mains devant les yeux, à pleurer. D'accord. Je lui dis, arrête-toi. Il s'arrête. Et mets tes mains le long de ton corps, pour que je puisse voir tes yeux. Il baisse ses mains peu à peu, et il met ses mains à côté de ses jambes, et c'est limite s'il est pas, il est raide comme un piquet. Et tu vois qu'au niveau de ses yeux, il a des traces de sang sur son visage, mais c'est des traces de mains, vu qu'il a les mains ensanglantées. Et il a tout le contour des yeux rouge sang, en fait, tout simplement. Mais tu sais pas si c'est de ses yeux ou si c'est parce qu'il s'est mis du sang partout. Bordel de merde. Il vient d'où, ce sang ? Papa. Papa. Oui, C'est lui qui a chopé... C'est Jack. Papa, c'est Jack, je suppose. Hein ? Oui. Ah. Ouais. Ouais. Désolé pour ça, petit. Bon, qu'est-ce qui lui est arrivé à maman ? Elle est malade. Elle était malade. Ouais, ça se voit. Et attends, t'étais dans la maison là, avec le truc là. Je montre le cadavre. C'est maman, c'est pas un truc, c'est oui, maman. Mais ça t'attaquait pas ? Ça t'en est pas pris, ça s'en prenait pas à toi ? J'étais dans la cuisinière. Oui, mais ça veut dire que papa t'a caché ? Papa m'a caché et m'a laissé avec maman, parce que maman a commencé à faire des trucs bizarres. Et papa et maman, ils se sont pas battus ? Non, parce que papa, il a enfermé maman dedans et il est resté dehors. Quand t'as tiré, à mon avis, t'as dû libérer maman, quoi. Peut-être. Ah, quand j'ai tiré à travers la vitre. Ouais. Vous avez donc cet enfant qui a pas l'air très agressif pour le coup. Vous voyez par contre qu'il a donc sous les ongles, il a du sang et que les ongles commencent à se décoller. Il a dû racler contre quelque chose. Et vous avez donc papa et maman qui sont morts à côté de lui. Bon, écoute, petit, on est désolé pour ce qui arrive à tes parents, mais c'est... Pas le choix. Écoute, tu t'appelles comment ? Il répond pas. Il pleure. Bah, du coup, moi, je vais te confier à celui qui a le plus d'humour dans le groupe, c'est-à-dire Richard. Et je vais aller dans la maison très calmement. Et je vais voir avec ce qu'il y a dedans, si j'y mets le feu ou si je... Ça prendra feu. Oui, si j'y mets le feu ou si c'est... Pas grave, quoi, la maison. Ça, ah, alors, dans la maison, quand tu y rentres, c'est une toute petite maison avec une chaudière, une cuisinière, un lit, mais c'est tout. C'est une table, en fait, c'est vraiment... C'est 20 mètres carrés, c'est vraiment tout petit. Et il y a juste du sang par terre, avec des organes pourris. Tu déduis que c'est ceux de la mère, du coup, vu que la ruche est sortie de sa cage thoracique. Et tu vois, effectivement, que la cuisinière, il y avait un verrou dessus et que le verrou, il a sauté à cause d'une balle. D'accord. Et vis-à-vis du reste, je veux dire, c'est des apiculteurs ou Non, c'est des ils écrasent en fait des herbes avec la meule d'à côté et du coup c'est ils en vendent. D'accord. C'est des artisans, quoi. Eh bien, s'il y a rien d'intéressant dans la maison, je sors et je vais mettre feu à maman parce que maman. Alors attends, je t'arrête tout de suite si je vois qu'il commence à aller vers maman. Je fais attends. Je vais moi aussi aller vers maman et ce que je vais faire, c'est qu'on a des couteaux ou pas ? Oui. Je vais prendre mon couteau et même si c'est un peu malsain, dégueulasse. Attends. Déjà, je vais ramasser un échantillon, je vais ramasser un morceau de la ruche parce que je sais, au-delà de la maladie, c'est littéralement une ruche dans un être humain. C'est même plus une maladie là, c'est bizarre quoi. Ouais, mais fais ça quand le gosse il regarde pas. De toute façon, le gosse, je m'en occupe du temps. Et je vais faire ce que je vais essayer de disséquer pour voir quoi. Parce que quand la personne est morte, les insectes ont disparu, c'est trop bizarre. Au moment où tu prends ton couteau, tu essaies d'ouvrir donc la ruche en deux et en fait tu remarques que c'est comme une ruche d'abeilles en fait ou de n'importe quel insecte volant, sauf que en son centre le cœur il y est toujours. En fait il y avait le cœur et un réseau nerveux dans la ruche. Et du coup quand vous lui avez mis une balle dans la tête, le cerveau répondait plus et en fait ça a arrêté le cœur et ça a arrêté la ruche. Je vais prendre donc... Un morceau de tissu, je vais prendre un échantillon, je vais l'emballer dans un tissu, je vais prendre avec moi. Et donc la reine, c'était la dame en fait. C'est ça. Très bien. Moi, pendant qu'ils font tout ça, je vais juste chercher le fusil de Jack. Et je vais m'en servir pour avec là où il y a les bulles là. Je veux comme un bâton pour essayer de. Il y a toujours une cartouche dedans, il a pas tiré la deuxième. Hein.
Non, pas forcément tirer. Je veux juste déjà mettre le fusil dans l'eau, voir s'il y a un truc qui bouge. Si je vois que le truc qui commence à bouger, bah, il bouge vraiment, bah, j'appuie. Moi, déjà, si ça bouge vraiment, ça me saute dessus. Vous voyez donc Phil qui va chercher le fusil, qui passe tous à côté de vous sans rien vous dire pour le coup. Tu prends le fusil, tu mets le bout du canon dedans, et au moment où tu mets le bout du canon, il y a une espèce de tentacule rose bizarre, il y en a une dizaine qui attrape le fusil de ton avant-bras et qui te tire dans l'eau. Ok, j'appuie sur la gâchette. Tu tires, tu vois qu'il y a du sang dans l'eau, du sang rouge, beaucoup de sang, mais tu sens qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de s'enrouler autour de toi, comme une pieuvre. Mais une pieuvre qui aurait une centaine de tentacules. Ok, et je suis encore dans l'eau là ? Là, t'es dans l'eau. Là, tu sais plus où est la surface ni rien parce que t'es en train d'essayer de te débattre. Moi, j'étais à côté, j'ai vu ça arriver. En fait, tu l'as pas vu tomber, mais tu l'as entendu. Ah ! Et plouf ! Et t'as entendu le fait qu'il soit tombé dans l'eau et que dans l'eau, il y a des remous de fou. Du coup. Mais je sors mon revolver et je tire ce que je peux tirer, quoi. Tu me fais un geste, s'il te plaît. Parce que là, je tire au corps à corps, oui. Le truc. Je mets le pistolet dessus et j'appuie, quoi. 64. Tu sors ton revolver, tu tires deux balles qui touchent parce qu'il y a du sang. Et tu vois que ça commence à se relâcher. Mais par contre, ça commence à aller très vite dans l'eau et ça reste plus statique. C'est-à-dire que c'est en train de te traîner dans l'eau parce que tu sens le fond te racler le dos. Ça fait pas mal parce que c'est de la vase, mais tu sais que t'es en mouvement. Et vous voyez tous un remous qui fait des zigzags dans l'eau, qui passe sous les pontons, sous tout, et qui va très très vite. On a des gros couteaux, oui, de chasse. Ben du coup, quand je vois ça, le gosse est en train d'essayer de me récupérer en lui disant « Bon, arrête de pleurer, ça sert à rien de pleurer. » Et j'avais arraché un bout de t-shirt d'ailleurs pour lui foutre autour de la bouche, pour qu'il arrête de respirer l'air aussi. Mmh. En lui disant « Comme ça déjà, toi, t'auras peut-être plus de chances de survivre, et moi, je t'entendrai moins, donc c'est tout bénef. » Et du coup, quand je vois ça, quand je vois Phil se faire traîner, bah, je vais lâcher le gosse, tant pis, je saute à l'eau avec mon couteau pour essayer d'aller planter la bête pour aider Phil. Tu me fais un G. 69. Tu sautes avec ton couteau au moment où il y a les remous et tu plantes ton couteau dans quelque chose. Il y a du sang. Les tentacules, elles lâchent et vous voyez le remous qui s'en va très très loin, qui ne revient pas, qui s'en va derrière les arbres et la mangrove. Et toi, tu prends ton couteau, tu prends la chemise de Phil, tu le remontes vers l'eau et quand tu remontes, ben en fait, tu lui as planté dans la jambe. Faut savoir que j'ai pas tiré exprès parce que je me disais la vitesse où ça va, je vais peut-être lui tirer dessus. Je sors de l'eau, je tousse comme un énorme porc. Vraiment, je. Qu'est-ce que c'est quoi cette merde? Et en plus, ça m'a planté. Et tu remarques que quand tu dis ça m'a planté, en fait, tu regardes ta jambe et tu vois littéralement le couteau planté avec sa main dessus. Quand je vois ça, je le regarde dans les yeux avec un mélange de certitude, de fierté et de confusion parce qu'il y a tout qui se succède d'un coup. Tu sais, je comprends pas. Je regarde ce qui se passe, je vois que je suis hors de l'eau. J'ai à moitié, tu sais, l'incompréhension de ce qui vient de se passer. J'ai mal et je regarde ma jambe, mais tu sais, je capte pas que c'est sa main et son couteau. Je mets vraiment 10 secondes à regarder en disant attends, c'est. Du coup, c'est lui qui m'a planté. Moi, comme j'étais dans la maison et que j'étais en train de cramer la dame, je sors par le coup de feu que j'ai entendu. Et je vois Richard qui a un couteau planté dans la c'est jambe ça. De Phil et je suis très confus. Je vais juste lâcher le couteau, le laisser là où il est. Bouge pas trop ta jambe, on va s'en occuper, ok? James, après avoir récolté donc ton échantillon, tu vois cette scène, enfin vous voyez tous de toute façon cette scène, c'est assez drôle et pas vraiment parce que bah il y a quand même quelqu'un qui a un couteau dans la jambe. C'est drôle pour trois personnes quoi. Et vous entendez un bruit dans l'eau du coup et le gamin n'est plus là. Le gamin a sauté dans l'eau. Bon bah tant pis pour lui. Oh, je sors mon fusil. Richard, je t'avais dit de le regarder. Qu'est-ce que t'as fait? Je voilà. Oui, qu'est-ce oui, que oui. J'ai fait? Bon, il m'a planté l'enculé. Non, attends, c'est plus compliqué que ça. Moi, attends, très calmement, pendant ce temps, je vois cette scène, et très calmement, je sors une clope et je m'allume une clope. Ça veut dire que je t'ai demandé de regarder le gosse et t'as fini par planter un couteau dans la jambe de Phil. Non, il a eu un problème avec la saloperie qu'il y avait dans l'eau. Du coup, j'ai voulu donner un coup de main, j'ai voulu me servir de mon couteau plutôt que tirer, parce que je me disais, si je tire, je vais tirer sur Phil. Du coup, j'ai voulu planter la bête, sauf que la bête était trop rapide aussi pour que je la plante. Et voilà, on en est là. Oh là là, et le gosse aussi était trop rapide pour que tu l'attrapes? Non, le gosse était juste trop con. Ah, ouais, c'est vrai ça. Là, je sors mon fusil, je regarde juste dans l'eau.
si je vois du remous. Il n'y a pas de, remous. Vous voyez juste qu'il est parti, qu'il a dû partir dans la mangrove et du coup, vous ne le voyez pas. Il tire juste une balle dans l'eau. Pif. D'accord. Bon, déjà, on va sortir de l'eau. On va essayer de... En me tenant la jambe à moitié. Ouais, voilà. On sort de l'eau et... Bon, les gars, vous vous en occupez. Et moi, je pars un peu plus au long pour fuir un peu la scène. Vous avez donc ces réactions-là et en mettant donc le feu... Donc à la femme, et en inspectant la maison, effectivement, donc il y a rien de spécifique, mais tu remarques quand même qu'il y a sur la table, avant de mettre le feu, il y a un petit papier avec le même symbole que l'usine. D'accord. Moi, ce que je vais faire d'abord aussi, c'est que je vais enterrer James, l'aveugle, et je vais rafistoler une vieille croix à la con, et par contre, son frère, je le fous dans la maison aussi, et puis voilà. Je fous dans la flotte. Ouais. Ouais, j'ai évité si ça se nourrit... Et voilà, j'enterre James proprement. Bon, ça va toi, Phil ? Bah, faudrait lui retirer le couteau et faire des bandages, du coup. Ouais, c'est quelqu'un. Soignez-moi, please. Je vais te faire ça, du coup. Vous le rafistolez comme vous pouvez, mais le couteau, tu l'as vraiment bien planté. Donc, en fait, tu décides de ne pas l'enlever, parce que ça ferait saigner encore plus. On peut pas lui laisser là comme ça, il peut pas marcher. Il peut marcher. Il arrive à marcher, mais il boite. Je boite, non, mais il va pas marcher avec un couteau dans la jambe. Si tu lui enlèves, il saigne encore plus. On n'a pas assez de bandages. Ah bah non. Vous avez, non. Du coup, vous faites le tour. Vous faites un garrot. Dans leur maison à la con, là, ils avaient bien une pharmacie ou un truc du style. À propos de cette maison, elle est un peu en feu. Non, mais dans tous les cas, les gars, on va aller dans une usine de textile. Au pire. Ah ouais, tu vas marcher avec un couteau dans la jambe jusqu'à... Ce que je préfère plutôt que crever. Ce qu'on présume être une usine de textile. Parce qu'étant donné ce qu'on a vu là dans le bureau du colonel, ça se trouve, c'est pas du tout une usine de textile. C'est possible, ouais. Vous essayez de discuter là-dessus après avoir fait les soins primaires, on va dire. Et vous remarquez que la nuit, elle commence à tomber et qu'il y a énormément de nuages et qu'il commence à pleuvoir avec de l'orage. Vous décidez de partir sur le seul sentier viable, le seul sentier qui est un peu pavé. Et vous tombez sur une petite cabane. On a enterré James ? Oui, vous avez enterré James. On a fait une tombe, enfin une belle tombe quand même. Oui. Je m'en suis sûr. Ouais. Okay. Et il l'a fait, donc j'ai pris en compte. Ah, d'accord, on fait un petit moment de silence et tout devant James quand même, le pauvre. Oui. Oh non, moi je m'en fous. Il nous regarde depuis le paradis. Il avait de beaux yeux. Vous avancez donc sur cette route, la seule route pavée. Donc, et vous arrivez devant l'usine, tout simplement. Et cette usine, vous voyez que à l'intérieur, il y a de la lumière. Mais pas de la lumière de lampe, de la lumière de feu. En fait, elle est en train de brûler de l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a mis le feu, ou en tout cas, il y a un incendie qui s'est déclaré à l'intérieur. C'est pas rassurant, ça. Mais il y a peut-être des gens comme nous qui sont un peu plus vite. Richard, à ta droite, tu fais un balayage, on va dire, de l'horizon, et entre deux wagons de charbon, etc., tu remarques la même petite vieille que tout à l'heure. Oh, je trace. Je trace en l'appelant. Elle est très loin, tu cries, et au moment où tu commences à te déplacer, tu ne la perds pas des yeux. Elle passe derrière le wagon et quand tu arrives sur place, elle est plus là. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en train. Non mais deviens fou. Péter mon casque. Il me plante. Il commence à courir après les oiseaux. Vous avez pas vu la vieille encore là ? La même que quelle à côté du fort. Personne ne voit de vieille. De quoi d'accord, tu parles ? Bon, il y avait personne. C'est moi. J'ai trop bu. C'est peut-être ce qu'il y avait sur ma jambe. T'as voulu la tuer. Tu serais pas contaminé là ? Je suis complètement bourré. C'est pour ça. J'ouvre ma flasque et je la termine. Attendez, il serait pas contaminé ? Il serait pas en train de voir des trucs ? C'est sûr. Il a dû confondre ma jambe avec la vieille aussi tout à l'heure. Voilà. Non, c'était ça. C'est pour ça. Non mais voilà. Vous voyez qu'il revient, donc vous l'engueulez un peu parce que concrètement, bah, il part tout seul pour rien à chaque fois. Et vous voyez que dans l'usine, il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui passe devant les fenêtres et il y a quelqu'un qui ferme les volets. Qu'est-ce que c'est que ce connerie ? Bon, tu regardes, Charles. La vieille. Ah oui, oh là là. Qu'est-ce qu'elle est rapide, cette vieille. Vous me cassez les couilles, arrêtez de me parler. Je pars en avant, loin du groupe. Tu pars tout seul, donc devant. Tu t'avances vers le volet qui a été fermé et tu entends du bruit derrière. Quelqu'un qui est en train de casser, de taper sur du métal. T'inquiète, c'est la vieille. Ça va alors. C'est un mec, juste une personne. Vous entendez qu'il y a quelqu'un qui tape contre du métal derrière le volet. Vous voyez pas derrière. Mais... Le volet pour fermer le volet ou pour essayer de l'ouvrir ? Non, le volet c'est un volet en bois à double battant. Mm-hmm. C'est juste qu'il a fermé le volet, la personne a comme fermé si le volet. Ça tapait sur une enclume en fait. Voilà, c'est ça. C'est comme si j'avais quelqu'un qui tapait sur une enclume. J'essaye un vieux bluff.
et je dis « Colonel !» Il n'y a pas de réponse, c'est juste que le bruit de métal s'arrête. Moi, je donne... c'est au rez-de-chaussée le... C'est au rez-de-chaussée. Je donne un grand chassé dans le volet. Tu passes, tu mets un chassé dans le volet en bois, il explose. Tu passes à travers la vitre. J'ai pas dit que je rentrais. Hein. Ah bah oui, mais t'as mis l'élan. Je suis un gros coup de pied. Quoi. Oui, mais ton pied il passe à travers parce que le volet est truc. Mais tu exploses la vitre, mais tu rentres pas dedans. C'est juste à exploser littéralement le volet et la vitre. Bon, ça me va. Et vous entendez derrière un Ah le verre. Ah. Et vous entendez genre quelqu'un qui s'enlève des morceaux de verre. Ah, pardon. Je dis toujours, colonel, venez, on va parler, on le dira pas au général. Il c'est qui ce colonel? Mais vous êtes taré! C'est pas possible! Bon alors déjà, bonjour. Cassez-vous! Bah écoutez, il n'y a qu'un seul d'entre nous qui voit des vieilles, donc ça va. Les écoutez pas, ils sont complètement bourrés. Je suis le seul ici qui est sans esprit, si vous voulez qu'on discute. Ouais, c'est ça, ouais. Rentrez pas, hein, j'ai une clé, hein. À molette, hein. Si vous rentrez, je vous explose. Hein. Ah, moi, j'ai tout ça armé. J'ai un couteau, vous en faites pas. Et il y a un couteau dans sa jambe, maintenant. Qu'est-ce que vous me voulez? Bah, qu'est-ce que vous faites là? J'éradique cette foutue entreprise, oui. Ah bah c'est ce qu'on voulait faire aussi, mais... C'est bon, j'ai fait à votre place, vous pouvez partir. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, on est là aussi pour enquêter, il nous faut des renseignements sur cette entreprise-là. Ah, vous voulez tout savoir? Bah je vous le dis. Cette entreprise, elle s'est implantée, c'est une usine de textile, et les gérants, c'est des connards. Voilà c'est, ce que vous allez à savoir. Si vous êtes un ancien employé, vous êtes fait renvoyer, c'est ça? Non, tu crois? Oh là, c'est triste. Ouhouhou, je vais pleurer pour vous. Des vraies infos, non? Est-ce que ça fabrique vraiment de textiles ici? Ça oui, mais par contre ça magouille quelque chose derrière, mais ça j'en sais rien. Derrière mais par contre la machine c'est pas une machine de textile que je suis en train d'exploser là. Arrêtez tout! Je saute à travers la fenêtre. Au moment où tu passes, tu prends un coup de clé à molette sur le coin de la gueule, et vous entendez le POM! Et juste il tombe au sol, et vous avez votre collègue explosé par terre. Bon, non mais n'allez pas vous faire de mal. Mais je vous ai prévenu. Ah, vous bien fait pour ta gueule. Attendez, je rentre tout doucement, s'il vous plaît, me tapez pas. Donnez-moi la clé, je vais la jouer. Pour ta gueule. Oh, le bien fait pour ta gueule, il est légendaire. Oh. Ah mais oui, il faut le, oui ça oui. Oh là là. Bref, donc. Bon, attendez, je vais rentrer tout doucement, me frappez pas, s'il vous plaît. Ouais, ok. Regardez. Ouais, mais fallait me prévenir avant, hein, parce que lui, il m'a fait peur. Oui, non, mais il est un peu con, il voit des vieilles partout. Ah, c'est lui, ok, ouais, bon, ok, d'accord. Mais oui, rentrez, mais sans larmes, hein. Si je vois le ne serait-ce que le bout d'un fusil, je vous éclate aussi. Hein. Bon, je l'ai sur moi, mais je l'ai pas dans la main. Oui, non, mais vous m'avez compris, oui, jouez pas au con. Non, mais attendez, je me cherchais pas non plus, attention. Oui, bon, allez, rentre. Voilà, non, mais oh. Je rentre dedans aussi, fais attention, je rentre dedans, j'ai l'arme dans le dos. Un par un. Oui, je rentre dedans. Bah, je rentre en dernier, et en rentrant, je mets une petite claque à Richard. Vous voyez que Richard, il est KO. Vraiment, ça, c'est pour le gosse. Voilà. Le vraiment il l'a mis KO, il respire, il est pas mort, il saigne un peu mais ça va. Fouah, vous l'avez pas raté hein. Du coup c'est quoi votre prénom? Moi c'est Philibert. Philibert? Oui. On commence pareil. Tout ça agence Philibert. On a les mêmes ennemis, on a à peu près le même nom. Enfin bref. Ah vous appelez. Ah ouais bon ouais. Phil. Ouais, vous... OK, ouais. Bon, mais non, pourquoi vous voulez rentrer? C'est genre quoi? On a été envoyé pour investiguer sur cette... Enfin, pour mener l'enquête sur cette étrange épidémie. Et le logo de cette entreprise, donc je lui montre ce que j'ai scalpé de la chaise, a été aussi retrouvé sur la chaise du chef du fort local, qui est parti précipitamment et qui est visiblement un lien pas très évident avec tout ce qui se passe ici, et en particulier avec cette épidémie. Et sur son bureau, on a trouvé ceci, et je lui montre les plans, et je lui dis qui sont les plans de la machine qui est devant. Tu vois que tu lui tends le logo, il fait... C'est pas le logo de l'entreprise, ça? C'est quoi? Pourquoi vous me tendez ça? C'est pas le logo de l'entreprise, ça? Bah non,